Mon vol pour Montréal est reporté d'une heure. Une heure, ça me donne l'occasion de pouvoir vous parler aujourd'hui, mes amis, pour cette nouvelle année. J'ai une question importante à vous poser, alors que mon vol est retardé en ce moment. Quelle destination voulez-vous prendre pour cette nouvelle année? La plupart d'entre vous, vous allez me dire, j'aimerais avoir plus de santé, plus de bonheur, plus de succès, plus de réussite pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Oui, mais attendez, j'ai une question plus définie. Quels sont les résultats exacts que vous attendez pour cette nouvelle année? Eh bien, voilà l'aventure à laquelle nous vous convions. Pour les 10 prochaines semaines, je vais vous emmener un petit peu partout dans le monde. Je veux aujourd'hui commencer une séquence avec vous, gratuite, qui va vous amener à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Quel type de maison? Quel type de voiture? Quel type de chaussures? Quel type de chemise vous allez mettre chaque matin ou acheter dans les 5 prochains jours? Ça, c'est la préoccupation numéro 1 de la plupart des gens. Que veulent les gens? C'est s'intéresser sur l'extérieur, l'externe. On passe plus de temps le matin à choisir des vêtements qu'à choisir sa journée. La plupart des gens passent plus de temps chaque matin à imaginer ce qu'ils pourraient porter ou conduire plutôt que ce qu'ils pourraient vivre, ce qu'ils pourraient avoir plutôt que ce qu'ils pourraient être. Vous devez comprendre ceci d'important. Si vous voulez développer la vie, les affaires que vous voulez, la carrière, la santé, l'énergie, les relations que vous voulez exactement, cessez de projeter en permanence vers l'extérieur, mais tout se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux pour 2017? Laissez-moi tomber ces éléments externes, cet environnement extérieur qui est le premier réflexe de la plupart des gens. Si vous passiez peut-être chaque matin le même temps que vous passiez avant pour vous habiller ou pour choisir vos vêtements chaque jour, vous sauriez exactement avec précision ce que vous voulez. Autour de moi dans cet aéroport, combien de gens exactement savent ce qu'ils vont faire dans une semaine, dans un mois, dans 12 mois, 5 ans, 10 ans? Peu de gens, peu de gens. En fait, seuls 3% de la population choisit vraiment sa vie. Vous ne pouvez pas attaquer une journée avec un agenda vide. Eh bien, c'est ce que font la plupart des gens. Ils laissent les courriels, le téléphone, les autres guider leur propre vie. Alors voilà pourquoi j'aimerais vous emmener et vous inviter à une séquence de 10 semaines. Alors voilà, cette séquence, je pense, va venir réveiller, stimuler, non pas vos papilles gustatives, mais intellectuelles, pour enfin préparer cette nouvelle année qui arrive et qui doit être différente de ce que vous avez vécu. Retenez ceci, ancienne croyance égale ancien résultat. Si vous voulez obtenir de nouveaux résultats pour cette année, perdre du poids, améliorer, enrichir vos relations avec vos proches, votre famille, et puis peut-être aussi vivre de nouveaux voyages, de nouvelles directions, peut-être aussi augmenter vos finances, préparer votre retraite ou créer une entreprise ou reprendre une entreprise ou changer d'emploi ou trouver un emploi. Mes amis, c'est de l'intérieur qu'il va falloir modifier tous ces comportements. Alors c'est ça qu'on va faire ensemble pendant près de 10 semaines ensemble avec des capsules de vidéos dans cette séquence que nous avons intitulée, regardez, How you doing? Oh, I'm doing great. Les gens sont extraordinaires. Dans cette séquence que nous avons intitulée, devenir plus, devenir vous. Devenir plus et devenir vous. Cessez de vivre à côté de vous et ne venez pas rejoindre 97% de la population qui ne sait pas exactement ce qu'elle va devenir dans les 5-10 prochaines années. C'est un nouveau décollage qui vous attend cette année. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur cette vidéo et vous allez embarquer directement vers une destination qui sera la vôtre et pas celle des autres.